Salut tout le monde, ici Stéphano du 83, je sais que pour l'instant c'est un écran noir, mais voilà, ça y est, c'est parti. Et oui les gars, on y est, c'est bien film alors contre Roman Reigns, et c'est un match, bah on est en compagnie du JRF, excuse-moi, on est pour notre scénario. J'ai oublié de faire ça, parce que ça va être... Eh oui, ça allait tellement vite le début, en fait, fallait faire tellement vite la présentation que j'ai oublié... le pauvre du LF. Donc on est le lendemain de NSL en effet, bah je vous laisse continuer monsieur. Après la grande controverse les responsables de l'attaque sur Finn Balor ne se sont pas montrés. Puisqu'on les lumières se sont éteintes, excusez-moi, les lumières se sont éteintes. Et quelques secondes après, bah, Finn Balor est apparu au sol. KO. C'est Roman Reigns l'a jeté dehors. Inexplicable. Il a un topé suicida, mais il a un topé suicida de malade. Il s'est vraiment écrasé sur lui de tout son poids. Ce qui fait que ben Finn Balor est KO. Était KO et c'est à mon avis c'est. Il y a eu le topé qui a rajouté le truc bien sûr. Mais il y a eu aussi cette attaque qui a vraiment à mon avis une KO Finn Balor, hein, clairement. Finn Balor a l'air d'ailleurs vu son début de match de ne pas s'en être remis encore, hein, parce que là c'est clairement une domination pour Reigns. Oh là là. Pauvre Balor qui psychologiquement là doit être. Et d'ailleurs apparemment c'est même pas lui qui allait demander ce rematch, hein. C'est Mick Foley qui lui a accordé. De par la sympathie on connaît Mick Foley. Hein. Ah mais là il y a pas de Balor là. Il y a pas de Balor. Et encore monsieur l'arbitre qui paie des siens, qui est mal placé encore une fois. Alors moi j'ai rien contre les arbitres bien sûr, hein, mais cet arbitre quand même je suis quelqu'un de très indulgent. Ah mais là. Ah il commence à contrer, il contre mais Reigns lui saute direct dessus, c'est impressionnant. Et Finn Balor qui se relève, ça y est, Finn Balor qui va, et non Reigns qui contre. Finn Balor qui retourne, encore, il passe derrière. Eh oui, ce match qui va vite. Et Finn Balor qui enchaîne. Et ça passe. Balor. Non. Finn Balor sur la troisième corde. Finn Balor. Coup de grâce, il est tombé. Finn Balor. Il est tombé. 1, 2. Et dégagement. Un énorme simplement de je ne suis pas allé longtemps et quel dégagement de Reigns. Bon après Balor n'avait pas fait assez de prise je pense avant pour terminer ce match tout de suite. En face on a un mec destructeur là, hein. Roman Reigns sans pitié a vraiment aucune. Un spear. Oh le spear. Il nous le sort comme ça le spire. Et le tomber. 1, 2. Et le dégage pas. Bah alors. Simplement de. Bah oui. Et sous chassé. Allez Balor qui va, Balor. Et ça y est. Balor s'est réveillé dans ce match. Le tombé. Hein. Et non, dégagement de Reigns. Où il a ressenti. Excusez-moi parce que je supporte Balor, mais il a littéralement rien senti. Roman Reigns, impressionnant. Hein. Ce mec est vraiment une brute. Impressionnant, Reigns qui compte. Ah non, ah bah maintenant c'est à chaque match, on devrait s'y attendre. On devra faire avec l'habitude. Oh,
Ah oui, c'est bah alors qu'il n'y arrive pas, hein, clairement. Il est un petit peu revenu pendant ce match, il joue pas un petit peu du Sina quand même alors dans ce match. Peut-être que on espère pour lui que ça va se terminer de la même façon que Sina d'habitude dans les matchs de Sina. Mais là c'est très compliqué. Oh, c'est rare Roman Reigns. Eh oui, mais là il lui prouve hein, que lui aussi peut être technique. Et là il prend son élan. Là il prend son élan. Non. Si. Non. Encore cette façon de contrer. Et Valor qui est revenu avec un peu d'avant-bras. Valor qui le porte. Qui le ramène dans le coin, c'est fait. Valor. Il va encore enchaîner avec son chassé, je crois là. Eh oui, c'est ça à chaque fois quand une Valor prépare son élan comme ça, c'est qu'il va faire ça. Et ça y est, nouveau champion. Nouveau champion. Finn Balor. Finn Balor. Oh. Coup de grâce. What? Et Finn Balor, il est choqué. What? Mais c'est quoi ça? Me dites pas que c'est... Non, ça peut pas être lui qui a attaqué Finn Balor. Regardez, il veut faire sympathie avec Finn Balor. Ouais, viens l'ami, viens l'ami. Et Finn Balor, il attaque. Ça veut dire que Finn Balor l'a reconnu. C'est obligé. Finn Balor l'a reconnu. Je sais pas si je lève, ça doit être lui qui l'a attaqué hier soir. Bien sûr. Et oui. Et cet homme. What? What? C'est tombé sur la magie. Je pense que ça doit être un homme. Quand même, j'imagine que c'est un homme cette personne. L'homme masqué qui s'en va. Et il se jette. Eh mais l'homme masqué est malin. Du moins l'air malin. Oh, attention l'homme masqué là, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, Finn Balor qui est parti. Ouah, le masqué qui se jette sur Finn Balor. Eh mais attendez, c'est lui donc qui aurait quitté. Oh là là, et c'est lui et où est passé le match? Où est passé Reigns? Et le public qui fait des comptes encore. Et non, l'homme masqué qui l'attaque. Mais Balor qui retourne, Balor qui retourne. Quelle bagarre, Ikiaro. Balor qui n'a pas hésité un seul instant au moment d'attaquer cet homme-là. Qui l'attaque sans relâche. Hein. Belly to belly de l'homme masqué. Donc on va l'appeler comme ça, je pense. Mais quelle est son identité maintenant? Quelle est son identité à cet homme? Wow. Quelle est son identité? Il relève Balor. Wow. Et Balor est KO. Balor est KO. C'est terminé. C'est terminé pour Finn Balor. C'est terminé. Ça va être la fin de ce round. Les sifflets, le choc du public. Wow. C'est le frère en Roman Reigns. Mais regardez la vitesse d'exécution de ce sbire. Incroyable. Oh, une nouvelle menace est arrivée à Raw. Oui, il donne un dernier coup de pied. Donc sur ce, salut tout le monde. Et à la prochaine. Oh, quel coup de la corde à linge.